Bienvenue. Voici l'Apple Watch. C'est la technologie la plus personnelle que nous avons jamais créée, car c'est la première destinée à être portée. Elle collabore avec votre iPhone de façon admirable, mais surtout, elle vous fait vivre une toute nouvelle expérience. Et pour que sa petite taille soit un immense atout, nous avons inventé de nouvelles technologies et interactions qui font de l'Apple Watch un appareil simplissime à utiliser. Comme l'Apple Watch est juste là, à votre poignet, elle est idéale pour les interactions brèves. Elle vous permet d'accomplir tout ce que vous faites déjà avec votre iPhone, mais plus vite et plus discrètement. Elle rend même possible des interactions qui n'existent pas sur votre téléphone. Elle toque légèrement sur votre poignet lorsque vous recevez une notification ou surveille votre rythme cardiaque. Pour vous en apprendre plus, nous avons tourné une série de visites guidées en vidéo. Dans celle-ci, nous vous présentons l'Apple Watch dans son ensemble. Inutile de toucher l'Apple Watch pour l'activer. Vous avez juste à lever le poignet pour qu'elle s'allume, rien de plus. Et pour éteindre l'écran, baissez simplement le bras. La première chose que vous voyez sur l'Apple Watch, c'est son cadran. Libre à vous de personnaliser son design et d'y ajouter des informations pratiques. Comme la météo, votre calendrier ou un aperçu de votre activité physique. Touchez-les pour ouvrir l'app correspondante. Vous pouvez aussi choisir d'afficher d'autres informations depuis votre cadran grâce à deux gestes simples. Balayer vers le haut et balayer vers le bas. Balayer vers le haut pour voir vos coups d'œil. Des aperçus rapides du contenu que vous consultez le plus souvent. Touchez n'importe lequel de vos coups d'œil pour ouvrir l'app correspondante. Balayez vers le bas pour voir et interagir avec les notifications que vous avez manquées. Pour afficher toutes vos apps sur un même écran, appuyez sur la Digital Crown. Ce petit outil révolutionnaire définit l'expérience Apple Watch, tout comme la molette cliquable le faisait avec l'iPod à l'époque. Voyons comment ça marche. Balayer l'écran avec votre doigt masque une grande partie des informations que vous essayez de voir. Avec la Digital Crown, vous naviguez avec fluidité et précision sans obstruer l'écran. Et vous pouvez aller aussi lentement ou rapidement que vous le souhaitez. La Digital Crown vous permet aussi de faire des réglages précis, comme paramétrer un minuteur, définir votre objectif bouger quotidien dans l'app Activité, ou personnaliser le design de votre cadran. Pincer pour zoomer n'est pas très pratique sur un écran de cette taille. Mais tourner la Digital Crown vous permet de voir votre contenu de plus près en un instant. Appuyez de façon prolongée sur la Digital Crown pour faire appel à Siri. Ou dites simplement « Dis Siri » et demandez ce que vous voulez. « Dis Siri, rappelle-moi d'envoyer un email à Thomas. » Voici une autre fonctionnalité importante de l'Apple Watch. Son écran sensible à la pression. Trop de commandes saturerait l'écran. Appuyez fort, comme ceci, pour faire apparaître des commandes supplémentaires. Cette nouvelle technologie s'appelle Force Touch. Dans Plan, elle vous permet de chercher un lieu. Dans Messages, elle vous propose des options de réponse. Dans Exercice, c'est comme ça que vous terminez une séance. L'Apple Watch n'a qu'un seul autre bouton, ici, juste à côté de la Digital Crown. Et il est essentiel. Appuyez dessus et il affiche directement les personnes avec qui vous communiquez le plus. Passez-leur un appel, envoyez-leur un message ou utilisez cette nouvelle fonction appelée Digital Touch pour envoyer un dessin, toquer un ami ou même partager les battements de votre cœur. Voilà, les présentations sont faites. Maintenant que vous avez vu à quel point l'Apple Watch est simple à utiliser, place au fun.